tu vois pas super bien, mais ça va. J'ai Jean-Philippe qui vient de rentrer. Je trouve la note. Il faut faire avoir l'opération de melon, c'était pour combattre le racisme. Tu vois? Je dois s'en arriver. Bon, mais Arluchon, c'est pour rigoler. C'est un franc-maçon, hein. C'est bon, tata, ça va pas, c'est bientôt la fin. Pour le vrai. Ça fout les boules. Ça c'est un essai. J'avais des millions de trucs à dire et à écrire. Bon, c'était pas ça qui était grave. Bon, le merluchon, c'est gentil. Mais c'est tout le système qu'il faut changer. C'est que de la merde. Dans l'esprit de temps, l'argent n'existe pas. Je le redirai 600 000 fois s'il faut. Il y a un problème technique. Et surtout, cette attaque est à la go. Mais ça va, elle souffre pas. Et le grand sachet, lui, on veut pas. On peut voir quelqu'un. Bill s'en sort toujours les couilles propres avec les Indiens. Pour sortir de la costière. Et puis il est toujours dans la merde. Bon, pardon. Et puis il prend son flingue et il éclate la tête de son fidèle cheval pour abréger les terribles souffrances de ce beau représentant de la race chevaline. Et ce bruit de locomotive. Et la locomotive, en fait, elle est pas loin. Et puis il est à pied. Et puis il jette tout. Il part en courant. Il est à poil dans le désert. Et il braque la locomotive. Il prend le chauffeur à coups de pied. Il décroche tous les wagons et pousse la locomotive à fond. Cette version-là, attention! Le chauffeur de locomotive avait de la gnole pas dégueulasse. Le chauffeur de locomotive avait du bon gasoil et Bill.
laisser la loco à fond dans le désert. Bill. Ah, c'est là. Et le chef Givratos est debout assis sur les rails. Voilà, nouvelle version, alors ça. Le chef des Givratos est debout en tenue de guerrier d'apparat. Le chef des Desperados est pas content. Puis moi non plus. Dans sa machine à vapeur d'enfer, la distance se rapproche et le chef Givratos ne bouge pas. Il a son scalpel en main. Il est directement relié avec le grand Sachem. Et d'un coup, il lève sa hache. Guerre. Et la locomotive se renverse. Ah oui, c'est de la BD. Les billes montent à 200 mètres du sol et retombent dans un énorme cactus. Bill, il a mal. Il est planté d'au moins 3000 aiguilles. Et le grand Sachem vient le voir. Bill agonise sérieusement. Je ne savais pas.